Oui, on t'écoute, Élie. Moi, je suis venu comme chacune ou chacun d'entre vous. J'ai vu cet appel qu'a lancé Voltuane et on soutient Mediapart. Nous respectons l'indépendance, l'autonomie, la liberté de chacun. Mediapart n'est évidemment pas l'organisateur de ce rassemblement spontané. Il y en avait déjà eu un au pied de notre immeuble après la tentative de perquisition. Alors je vais juste dire deux choses. La première, c'est que ce soutien, c'est le rappel que le droit de savoir, la question d'une presse libre et indépendante, le fait de savoir ce qu'on fait en notre nom, eh bien c'est un droit fondamental, plus important que le droit de vote. Car si je ne sais pas ce qu'on fait de mes impôts, ce qu'on fait après avoir été élu, ce qu'on fait en étant ministre, en étant président, eh bien moi, le citoyen, quand je vote, je vais voter à l'aveugle. Je vais voter sans savoir. Pour être libre, j'ai besoin de ce droit de savoir. Et c'est pour ça que ce travail de l'information, cette indépendance de l'information, c'est pour moi plus important, un droit plus important que le droit de vote. Sans cela, encore une fois, on peut voter à l'aveugle et du coup voter pour son pire ennemi, pour son pire malheur. Et cela arrive, hélas, actuellement dans notre époque. C'est pour ça que je voulais, en fraternité, vous dire à toutes et tous que la critique du journalisme, elle est utile, elle est nécessaire et nous en avons besoin et nous-mêmes la pratiquons. En revanche, la haine des journalistes, la haine des médias prise en bloc, c'est très dangereux car c'est une forme de haine de la démocratie. Les médias, c'est aussi le pluralisme. Et derrière les marques des médias, vous savez, il y a des travailleurs et des travailleuses de l'information qui essayent eux aussi de se battre là où ils sont. Bien sûr, et les précaires et tout ça, et ils se battent aussi. Et Mediapart est là, non pas pour leur donner des leçons, mais pour les aider à se battre, pour leur donner du courage. Enfin, je voudrais vous dire autre chose. Si vous êtes si spontanément solidaire, c'est parce que vous avez bien vu que Mediapart a compris que dans ce mouvement populaire, qu'en haut on essaye de caricaturer, qu'on essaye de renvoyer comme si c'était la lie et la honte de la terre, nous avons compris qu'il y avait ce que j'ai appelé une bataille de l'égalité. Les Gilets jaunes, au fond, sont partis sur la question de l'injustice fiscale pour poser la question de l'égalité des droits, de l'égalité par rapport à la répartition des richesses, de l'égalité devant la justice, du respect de chaque citoyen et de non pas des violences policières et ainsi de suite. Tout ça est au cœur de ce mouvement. Alors si c'est au cœur de ce mouvement, cette question de l'égalité qui est le cœur de la promesse républicaine, qu'il nous faut défendre, qu'il nous faut faire vivre. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. C'est ça le cœur de ce qu'a été votre combat. Et c'est là où vous avez réveillé ce pays. Alors si c'est bien cela le cœur de ce combat, n'ayez aucune tolérance, aucune excuse vis-à-vis de celles ou de ceux qui prennent prétexte de ce combat pour trahir cette promesse d'égalité. Toute atteinte à une personne, quelles que soient ses idées, à raison de son origine, à raison de sa croyance, à raison de son apparence, est une atteinte à l'humanité. L'antisémitisme, le racisme, la xénophobie ne doivent pas avoir de place dans le mouvement des Gilets jaunes. Voilà ce que je voulais vous dire du fond du cœur. Vous remercie. Bravo.